Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la bibliothèque de Steffi. Bonjour. Aujourd'hui, de quoi est-ce que tu vas nous parler, Steph? Je vais vous parler d'un jeu de la campagne Pocket de Two Tomatoes qui s'appelle Les Expéditions des Ming. Donc encore un jeu historique, sinon je ne serais pas là, bien entendu. Voilà. Alors voilà. Un petit jeu qui se passe au 15e siècle. J'imagine qu'en entendant les expéditions des Ming, beaucoup d'entre vous auront compris, ça se passe en Chine. En Chine, entre 1405 et 1433, sous l'Empire des Ming. Alors, on a un petit plateau de jeu qui nous permet de comprendre un petit peu comment fonctionne le jeu. On a ici l'Empire Ming. On a ici les territoires mongols qui font peur aux Chinois de l'époque. Et c'est la raison pour laquelle ils ont un espace entre les deux, qu'on appelle des frontières, mais qui en soi n'est pas une borne, c'est vraiment un territoire. Et un territoire où, concrètement, le rôle de l'empereur de Chine, c'est d'essayer au maximum de sécuriser ses frontières pour pouvoir aller s'occuper de choses nettement plus importantes qu'il a à faire, à savoir mettre en place des expéditions, qu'on appelle les expéditions en trésor, 7 expéditions en tout, sur à peu près 25 ans, 20 ans, au cours desquelles l'empereur de Chine vient un amiral. Vont construire des bateaux très très grands, mais vraiment des bateaux énormes, on ne se les représente pas, qu'on appelle des jonques, et vont partir à la conquête des mers. Il y a deux époques, non, en réalité. Exactement. Dans une première époque, ils sont partis plus près. Oui, ils sont partis vers le sud, vers la mer de Sud, la mer de Chine méridionale, et puis plus tard ils sont partis jusqu'en Arabie Saoudite, etc. exactement. Et d'ailleurs le jeu se joue en deux aires, deux parties, une partie qui est liée à ces premières expéditions dans la mer de Chine méridionale et une deuxième plutôt vers la péninsule arabique. Voilà. Alors le jeu se joue à deux, c'est un jeu de la campagne Pocket. L'un d'entre nous est l'empereur de Chine, l'empereur Ming. Et l'autre, c'est le chef barbare. Alors, chef barbare de manière générique, c'est-à-dire que ici sur la carte, vous avez des Mongols de l'Ouest, des Mongols de l'Est et des Mandchous plus à l'Est. Mais en fait, finalement, on considère que c'est à peu près le même groupe de personnes. D'accord ? En fait, c'est un jeu centré sur les Ming. Exactement. Donc, ils ont des exploits à faire, des expéditions à faire. Mais ils sont aussi des risques, des dangers dans les frontières. Où il y a les Mongols qui attaquent les frontières, c'est pour ça qu'ils sont cette zone tampon, comme on dirait, non ? Exactement. Mais en fait, les Mongols, ils ont préalablement fait partie d'une dynastie chinoise, n'est-ce Alors, pas ? Voilà, c'est ça qui est hyper intéressant à comprendre. Peut-être que Kubilai Khan, ça vous parle. C'est un Mongol qui s'est installé en Chine, en tant qu'empereur, et qui a développé la dynastie des Yuan, qui est une dynastie mongole, dont le pouvoir est installé sur une zone chinoise. Ça va durer 70 ans, à peu près, de 1230, un petit peu plus tard, 1268, jusque la deuxième partie, milieu de la deuxième partie du 14e siècle, et qui va précéder l'arrivée des Ming au pouvoir. Ce qui fait que lorsque les Ming arrivent au pouvoir, bon, il y a encore quelques conflits avec les Mongols. Le but de l'Empire des Ming, ça va être de deux choses. Une, exactement ce qui se passe dans le jeu. Un, sécuriser leur territoire pour être sûr que ça n'arrive plus jamais. Et deux, restituer le prestige de l'Empire de Chine tel que eux se le représentaient en allant, redorer leur blason vers le sud, vers les mers du sud, et faire des voyages commerciaux et diplomatiques qui feraient de l'empire des Ming, de la dynastie des Ming, une dynastie au rayonnement hyper important. Parce que quand on joue en tant qu'empereur, qu'est-ce qu'on fait ? On taxe, on recrute des gens, on construit des jonques, on attaque aussi les frontières, n'est-ce pas ? On recrute des armées plus pour après attaquer les frontières ou les territoires où il y a des mines ou sécuriser les frontières même. Mais comme les deux empereurs de l'époque, l'un après l'autre, auraient pu le faire. C'est-à-dire qu'en gros, vous recrutez des soldats de manière à avoir des armées qui sont assez importantes pour faire peur aux envahisseurs barbares. À côté de ça... Mais les barbares, ils n'ont pas peur. Les barbares, ils n'ont pas peur. En tout cas, ils essayent de rentrer.
quoi qu'il arrive. Ils n'ont pas peur. Disons qu'ils ont en tête que au siècle précédent, eh bien, certains d'entre eux avaient réussi et s'étaient imposés en tant que dirigeants de toute la Chine. Donc c'est possible. Bien sûr, ça l'est. Bien sûr, ça l'est. Et donc, bah, voilà, en dehors de recruter et mettre en place des armées et donc faire des batailles, l'autre possibilité, c'est récolter des taxes pour avoir des sous, couper des arbres, créer des jonques et puis lancer des expéditions. Exact. Et c'est exactement les actions qui sont à la disposition de l'empereur. Alors que le barbare... Les barbares commencent la partie dans ces trois territoires et son objectif, c'est d'amasser le maximum d'armées et de... comment ça s'appelait, les tokens en Alors, français j'imagine des pions, je ne sais plus. Des colonies, des colonies. Ah, donc ils vont placer des colonies, ils vont ramasser des... C'est-à-dire concrètement ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher des gens, eux c'est pas des armées qu'ils amassent mais des hordes, ils vont s'installer sur le territoire. Des hordes, des gens. Bien sûr, sauf que bah, étant donné que c'est pas une armée de métier, on dit pas que c'est des soldats. Voilà. Comme tu veux. On amasse des hordes, on les installe sur un territoire. Tu respectes peu les barbares, il me paraît. C'est vrai, enfin, en fait c'est pas que je respecte peu, c'est que la langue française je crois respecte peu. L'idée, c'est qu'ils s'installent sur une frontière. Ils vont essayer de batailler contre... Ils vont amasser des ressources et après les pousser pour avoir plus de pouvoir politique, économique, militaire dans les frontières. Et qui vont se ressentir au moment de la bataille. Tu auras plus de points quand on va jouer les dés. Mm-hmm. Okay. Et donc, si tu as réussi à gagner, bah, c'est super, tu installes des colonies. Si t'es le barbare, bien entendu. Si c'est moi qui installerai des colonies. Et à partir de là, vient le but du jeu. Je veux dire, le but du jeu pour l'empereur, c'est, pour avoir une très grosse victoire, de réussir à effectuer ces 7 expéditions, les unes après les autres. Donc, en gros, ça veut dire d'être capable d'aller voyager, de récolter de l'or qu'il y a sur place, de le ramener à la maison. Et c'est pas facile. Non, ça l'est pas du tout. C'est encore une histoire de dés. Il faut investir... il faut balancer entre les investissements que tu mets et la chance d'aider. Et comme ça se serait passé dans la réalité, finalement. Hein. Exact. Je veux dire, t'investis dans la construction d'un bateau. La première expédition... Oui, c'était combien de personnes Alors, je veux pas dire de bêtises. 62 vaisseaux, donc 62 jonques et 27 800 personnes. Voilà. Parce que jonque, quand j'entends jonque, pour un espagnol, c'est quelque chose de petit. Ouais. Mais non, c'est les noms Alors, qu'ils avaient. C'est quelque chose, je suis allée vérifier aussi, vous voyez le Santa Maria. si on doit comparer la caravelle de Colomb, ou l'une des caravelles de Colomb, à une jonque, la caravelle de Colomb est 5 fois plus petite. Donc c'était grand. Les caravelles, c'était petit. Hein. C'était quand petit on les parce voit... que c'est ce qui permettait de pouvoir aller rapidement sur un océan très très complexe. Là, je sais pas, je suis pas géographe, je connais pas grand chose aux mers de Chine méridionale. Peut-être que c'est pas si nécessaire de pouvoir gérer les courants et passer sur un grand océan, je peux pas vraiment dire. Par contre, je pense que leur initiative première, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez énorme pour contenir énormément de personnes et pour que ça en jette surtout. Pour avoir, lorsqu'on arrive dans les ports des îles de Sumatra ou que sais-je, une prestance très particulière. C'est ça qui crée le rayonnement de la Chine. Et si par la même occasion, tu peux avoir un grand bateau pour mettre plein d'or dedans et le ramener chez toi, c'est mieux. Non, c'était pas juste des expéditions, c'était de s'établir et d'établir des sites commerciaux pour leurs marchandises. Complètement. Et d'ailleurs, il y a même une valeur scientifique, si je me rappelle bien. Donc bon, il y a des sources historiques qui permettent de les comprendre. Les premières sont les textes qui sont directement liés aux dynasties des Ming. Et les secondes sont toutes les études, les cartes géographiques qui ont été rédigées ou dessinées à cette époque. Disons qu'en même temps qu'une expédition commerciale et diplomatique, c'est aussi une manière de connaître le monde, d'amasser de la connaissance. Et c'est ce qui fait qu'à cette époque, si on compare avec l'Italie de la première Renaissance, si on compare avec les civilisations d'Amérique qui se cassent la figure ou qui essayent de préserver une forme de pouvoir qui va bientôt leur être pris, l'empire chinois est l'empire le plus avancé du monde. Mmh. Voilà. D'où le fait que ce soit une période de l'histoire auquel ce jeu, je pense, nous
nous lie et nous apprend des trucs qu'on ne connaîtrait pas forcément. Je veux dire, on a tous en tête les invasions mongoles qu'on envisage plutôt, comment dire, de manière lointaine dans l'histoire, on se le représente mal. Ça m'a appris pas mal de choses. Surtout, moi. Au moins mon cas, c'est qu'on connaît plus l'histoire, on est très europe-centrique, mm-hmm. donc on connaît beaucoup l'histoire récente de l'Europe, on connaît les Romains, on connaît les mm-hmm. Grecs, mais il y a eu des civilisations magnifiques, ah bah, complètement, énormes, complètement. Dans beaucoup d'endroits du monde, et notamment la chinoise, ouais. Qui est toujours un grand empire, ouais. n'est-ce pas? Et je pense que c'est un mérite que vous avez chez Toutométhos de pouvoir mettre en valeur ce genre de petits jeux où, et c'est ce que je disais la dernière fois dans les vidéos, dans quelque chose d'aussi petit, vous avez un concentré de divertissement et de connaissances qui est hyper intéressant à avoir. Oui, voilà. Bon, c'est un jeu qui joue à deux, mais ça joue aussi en solitaire. Exactement. Donc c'est aussi bien. Alors, pour s'entraîner un peu pour après jouer contre Jordi. Bien sûr. Au moment de la traduction du jeu, ce que je me suis dit, c'est que c'est pas forcément plus simple de commencer à jouer seul. Tu vois, parce que le jeu en mode en solitaire, il est loin d'être facile. Disons que l'intelligence artificielle auquel on fait face, elle maîtrise le jeu. Elle est intelligente. Ouais, bah c'est à ça que ça sert. Mais bon, je veux dire, qu'on joue seul ou qu'on joue à deux, il y a, j'ai oublié de l'expliquer tout à l'heure, il y a quand même plusieurs manières de gagner. C'est-à-dire que les choses, elles ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Quoi. C'est pas l'empereur Ming qui va faire ses 7 expéditions et tout va bien, ou le chef barbare qui va contrôler les 5 frontières et tout va bien. C'est bien entendu nettement plus complexe que ça. Mmh. En général, c'est difficile d'avoir une victoire majeure. C'est souvent dans le cadre d'une victoire mineure que se clôt le jeu. Alors ça aussi, c'est intéressant de comprendre. Imaginons que je sois l'empereur Ming. À un moment, je vais faire la somme des expéditions que j'ai réalisées et puis des frontières que j'ai réussi à continuer à contrôler. Pendant que le chef barbare, il va faire la somme des expéditions que j'ai pas réussi à réaliser et les frontières que lui contrôle. Et en fait, voilà, c'est la somme la plus importante qui gagne. Et c'est aussi ça que je trouve sympa dans le jeu ou dans la manière dont le gameplay il est organisé, c'est que on envisage assez bien la complexité de l'histoire. il y a ça, voilà, exactement. De balance de pouvoir, d'investissement, où, bien sûr. Jusqu'à quel point, à quel moment. Bien sûr. Et il y a aussi, c'est quelque chose, moi, du point de vue d'éditeur, que j'adore, mm-hmm. c'est l'arrière du plateau. C'est une illustration très, très, très belle. C'est la même qui est d'ailleurs dans la couverture, mais là, plus allongée. Mais c'est bien, parce que ça mélange le travail des ombres chinoises qui sont ici, bon, le fameux cerisier, comme on l'imagine, et puis, le côté aquarelle, en fait, hein, qui mm-hmm. est présent ici. Je veux dire, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait, dans un tout petit jeu, encore une fois. C'est bien cool. Donc, voici la vidéo des expéditions Ming. Si vous avez aimé, si vous voulez recevoir plus de notifications, souscription. Abonnez-vous. Mm-hmm. Et laissez-nous vos commentaires à propos de cette vidéo et qu'est-ce que vous en pensez. Si vous voulez plus de vidéos. Des questions, plus de vidéos, on sera là pour y répondre. Des questions aussi, ouais. On peut répondre à. Bien sûr, on fera des vidéos de réponses. Et d'ailleurs, même celles sur lesquelles, sur le coup, on n'a pas de réponse. Hein. On ne connaît pas, je veux dire, j'ai pas la science infuse en soi, mais par contre, je cherche. Je sais bien faire. Donc, merci Steph pour être venu. Merci à toi. Et à la prochaine. À bientôt. Au revoir.